Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire pour participer au concours des 700 abonnés dimanche dernier pour avoir une chance d'être tiré au sort pour avoir un booster ou un pack des destins ou pack récompense 2 ou 4. Voilà. Donc, il y aura 3 personnes tirées au sort dimanche qui arrivent là. Donc, si vous voulez tirer au sort, eh bien, il faut juste aller mettre un commentaire sur la vidéo de dimanche. Et là, on va s'ouvrir deux boîtes Dracaufeu qu'on m'a échangées contre des cartes, tout simplement. Donc, je me suis dit, mieux de récupérer des sous, j'ai dit, je récupère des cartes parce que la collection, il faut bien que je la complète. De toute façon, j'en aurais racheté. Donc, on m'a donné deux boîtes Dracaufeu, du coup. Voilà, donc je vous donne même les codes qui vont avec. Hop, en voilà un. Des boosters, deux Pikachu. Alors on sait que les Pikachu depuis quelques temps, ils sont pas forcément les plus chanceux, mais bon, pourquoi pas. Et la deuxième avec la belle carte promo encore. On aura des cartes promo du Drac. Le petit code de la boîte avec un autre Pikachu dedans. Bon, j'espère que les Pikachu, vous allez nous apporter quelque chose de beau cette fois-ci, et pas comme la dernière fois. Allez, c'est parti avec la première boîte. Donc 8 boosters à s'ouvrir en espérant avoir, sur 8 boosters, avoir 6 hits, ce serait pas mal. 8 boosters, 6 hits, ça serait très bien même. Allez, Pikachu, on est parti. Si on pouvait avoir des jolies cartes dans ces ouvertures-là, ça serait cool. Parlant de jolies cartes, on parle bien entendu d'alt ou d'alternatives. Enfin, des gold ou des alternatives, tout simplement. Je dis la même chose. Allez, Doudoué, Pomme de Pique, Chamallow, Marakachi, Machine Technique, Point de Crise, Briochien. Allez, le sac de Mendy, qu'est-ce que tu nous caches, petit sac? Pas de shiny en tout cas dans cette ouverture, enfin dans cette ouverture de booster, une petite AR. On s'en fout un peu des AR maintenant parce que les AR elles tombent tellement qu'il y en a de partout des AR. Mais c'est un hit, hein. Bon, on prend, on prend, on prend. Ça va être un hit. Et le trio Pico, je crois que c'est pas celui qui sort le plus parce que c'est celle que j'ai le moins au double, on va dire. On va dire comme ça. Allez, un hit, un booster. Allez. Plus que 5 hits pour être dans le quota que je voudrais. Allez, Doudoué, Chamallow, ça ressemble au premier booster, ça, Pomme des Pics. Marakachi, ça ressemble au premier booster que je viens d'ouvrir là. Reptincelle, là. Lui, il n'y était pas. Un booster en feu, alors pourquoi pas, Hyperbole. Colossinge, allez. Ouh, c'est pas les meilleures boîtes, les Dracs. Magganon. Et un petit noix de coco. Bon, pour l'instant, rien de fou. Les boîtes Dracaufeu, c'est pas les plus folles. Et ça prouve ce qu'on dit, hein, c'est que les boîtes Dracaufeu, c'est pas parce qu'il y a Dracaufeu dedans que les boîtes seront meilleures. Et la preuve que non, pour l'instant, j'ai pas eu une belle boîte. Toutes les boîtes Dracaufeu que j'ai vues, j'ai pas eu de belle boîte pour l'instant. Alors peut-être qu'il y en a une des deux aujourd'hui qui va me faire mentir. J'aimerais bien. Fragoin. Sortir des petites shiny serait cool aussi. Allez, Lanterne, cache-nous une petite. Non, même pas là. Waouh, les boîtes. Waouh, les boîtes. Oh, les boîtes. Oh, les boîtes. Même pas les deux rivers qui me manquent. Bon. Bon, big Pikachu. Hein. T'as pas le choix de me sortir quelque chose parce qu'en ce moment, les Pikachu ne veulent pas me sortir quoi que ce soit. Là, il manque cruellement de 8 dans cette boîte. Allez, hop, petit 9. Donc, ne vous jetez pas sur les boîtes Dracaufeu. Vous voyez le résultat. Tiracool, Tarsal, Clove, Reptincelle. Il y a un petit truc derrière, il me semble, mais je suis même pas sûr d'où c'est. En tout cas. Ça doit être la dernière. Ouais, ça doit être la dernière. Donc c'est une ex, certainement.
Oui, du tira cruel. Bon, pourquoi pas. Bah, la boîte. Terrible la boîte. Terrible la boîte. Il n'y a rien du tout. Une boîte où il n'y a rien du tout. Deux petites cartes, mais pff, on ne peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose. Il n'y a rien du tout. Une boîte. On peut dire qu'elle est vide. Allez, Pikachu. Deuxième boîte, Drac. Allez. On veut du lourd dans cette boîte cette fois-ci parce que la première était catastrophique. Fantominus. Donc pour rattraper, bien, il faut quelque chose de gros dans la deuxième. Patachio. Spectrum. Camerut. Générateur électrique. Reptincelle. Alors lui, il sort souvent, mais on voudrait l'évolution d'après, s'il te plaît. Sonistrel. Waouh, waouh, les boîtes. Waouh, ça fait mal. Ça fait très mal. Waouh, comme quoi, une boîte drac au feu. Ne vous y jetez pas dessus. Tout tombe. Ouais, pas dans les boîtes drac au feu. Hein. Il n'y a pas tout qui tombe dans les boîtes drac au feu. Apparemment, hein. Poulpaf. Brombi, Faible Ball, Krakos, Machine. Waouh, la clim qu'on est en train de se prendre. Les triopicaux qui sortent. Waouh. Oh, la gifle qu'on est en train de prendre là. Oh, la gifle. Il y a moi qui dis que les triopicaux, c'est pas ce que j'ai le plus bientôt. Je vais en faire la collection. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on va finir par quelque chose de gros là? Parce que là, ça fait mal. Ça fait très mal. Heureusement que c'était un échange, mais pour l'instant, j'ai rien à mettre dans mon classeur. Donc c'est terrible. Tarsal, Terracool, Chauve-Sourire, Colossinge, Farfadué. Deux boîtes vides, ça serait catastrophique, quand même. Ah, une Full Art Shiny. Oh, une qu'on n'a pas, ça y est. Une sur les deux. Oui, il y a une Gold avec là. Il y a une boîte au milieu. Il y a un booster au milieu qui est passé par là, qui te dit non, finalement, si, si, on va te donner quelque chose quand même. Oh, le booster. Oh, le booster. Les deux, on n'avait pas les deux, donc ça tombe bien. Deux, on commençait à désespérer, et complètement désespéré, on disait on n'allait même pas avoir nos 6 hits. Ben, pour l'instant, on en a eu 5 quand même, parce qu'on a eu un double hit, et quel double hit! On va rajouter 2 cartes dans la collection, donc ça c'est du très beau. Baojian, donc c'est un des Pokémon que je voulais aussi avec le Yuyu, ça c'est cool. Baojian Yuyu, c'est mes deux préférés que je voulais en gold. Donc c'est les deux golds que j'ai eu. Très bien, donc on a 5 hits déjà. Bah ben déjà, enfin, c'était très mal parti sur la première boîte et même sur la deuxième. Donc on peut finir finalement avec les 6 hits demandés. J'espère qu'on va les avoir, pourquoi pas. Allez, Fampi, va-t-on avoir une deuxième boîte de fou furieux, furieux. Pourquoi pas, avec une grosse dinguerie encore à la fin. Déjà qu'on en a fait une belle. Famignolle. C'est la première gold que je tire ben, en vidéo. Parce que c'est que ma deuxième. Oui, une petite shiny derrière, le Vrombotor. Lui, on l'a déjà, par contre. Et bon, on va finir pour un Vrombotor shiny. On a nos 6 hits. Ça va, on a eu peur. On a eu très, très, très peur quand même. Qu'on a eu une grosse clim sur les boîtes de drac au feu. Mais heureusement que la deuxième en avait 4. Ça, c'est la deuxième boîte, voilà. Deuxième boîte est là, heureusement qu'elle est là parce que alors, la première, vous voyez, voilà, la première, on a vu que ça, hein, c'est catastrophique. Une boîte drac au feu, voilà, et la deuxième, voilà, donc c'est ou tout ou rien, mais en général, c'est plutôt rien que tout. Enfin, on remet quand même 2 cartes dans le classeur. Allez, bon, en tout cas, ça n'existe pas.
Allez, mettez donc un commentaire sur la vidéo de dimanche pour pouvoir participer, bien entendu, au concours. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça pousse le référencement, donc c'est du très bon. Je vous remercie à tous en tout cas. Allez, je vous dis à dimanche pour une grosse vidéo et salut les petits clous.